Voilà. Maintenant, je veux du sensuel, du soleil, des Caraïbes, du désir. On donne tout, les filles. De l'amour. Ouh, ouais, j'aime ça. Magnifique. Ouais. Ouais, c'est beau ça. C'est beau ça. Montre-moi ton âme. C'est ça, bébé. À toi, ma chérie. Fais voir ta beauté intérieure, chérie. Ouais, impeccable. C'est ça. Allez, bouge. Faites vos digresses, les filles. Allez, sexy, sexy. Ouais. Ouh, c'est chaud, là. C'est beau. C'est ça. Bonjour. Y a quelqu'un? Normalement, il est censé y avoir 6 personnes. Ils sont peut-être dans l'eau. Non. On dirait bien que non. Est-ce qu'il marche encore? Essayons. Ouais, ça marche. Attends, reviens, reviens. Non, pas celle-là, non, avant. Là. Qu'est-ce que c'est? Faut lancer des recherches immédiatement. C'est fou. Comment 6 personnes peuvent disparaître comme ça? J'appelle.
Je pense que je vais devenir végétarien aujourd'hui. Oh, j'adore les végétariens. Ils savent manger. Bon appétit. On touche au but. Oh. Ben, si le cyanure n'a pas tué ce poisson... Le plastique coincé dans sa trachée l'a empêché d'avaler autre chose. Vive le monde des hommes. Je refuse de comprendre. Quand on pense que l'homme produit des millions de tonnes de ce machin... Dommage que ce soit pas mangeable. Ce serait un truc trop bien, non? Du plastique comestible. J'ai déjà déposé le brevet, c'est pour ma poche, les gars. Docteur Yost, ces deux policiers ont quelques questions à vous poser à propos d'un requin, je crois. Bien sûr. Je nettoie, j'arrive. Nettoie, s'il te plaît. Je crois qu'elle nous a confondus. Elle a dit Sean. Elle a rien dit. Elle a pas dit mon nom. Tu veux pas me... Je vais t'aider. Merci. Ah. Alors, je vous écoute. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Ils enquêtent sur la disparition de 6 personnes sur un yacht. Très bien, mais je suis pas sûre de pouvoir vous aider. Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque de requins. Vous savez combien on a eu d'attaques à Porto Rico? 11. Et personne n'en est mort depuis 1984. Ça me paraît vraiment étonnant. Il y en a de moins en moins de requins dans l'océan. Oui, ça, nous le savons tous. Ils ne sont pas venus pour un cours. Nous voudrions que vous jetiez un coup d'œil à cela. On a trouvé cette caméra sur le bateau d'où ils ont disparu. Nous pensons que c'est un grand requin blanc. Les requins blancs ne chassent pas leur proie sur des bateaux. Comment ils feraient? Ils voleraient dans des tornades? Oh, c'est bizarre. Mais les requins comme ça, ça existe? Il paraît que de tels phénomènes sont déjà survenus. Je crois que le capitaine voudrait savoir s'il est possible qu'un requin ait plusieurs têtes. Ou est-ce que c'est juste une meute? La seconde proposition. Les attaques de requins sont très rares ici, il n'y en aura sûrement pas d'autres. Vous parliez d'autres phénomènes? Oui, on a reçu plusieurs coups de fil. Vous me faites marcher. En fait, ce n'est pas impossible. Attends, où est-ce que c'est? Alors voilà, on a répertorié des centaines, sinon des milliers d'animaux nés avec plusieurs têtes. Comme en mythologie, il y a par exemple le Cerbère. Le Cerbère? Le Cerbère était un énorme molosse à 3 têtes qui gardait l'entrée du monde des morts pour empêcher qu'on s'en échappe. C'est peut-être pas si... C'est tout simplement ridicule. Sérieusement, n'importe quel fœtus de n'importe quelle espèce avec 2 têtes n'est pas viable. En ce qui me concerne, ce n'est qu'une distorsion numérique de la photo. Alors, c'est un mythe ou juste un trucage numérique? Oui, ouais, mais là, c'est... Non, il n'y a pas de mais. C'est tout simplement impossible, n'est-ce pas, docteur? Je dois avouer que c'est vraiment improbable. Bien. Alors, merci pour vos réponses. Merci. J'apprécie votre aide. Au revoir. Docteur Yost, alors, comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on doit encore sortir? Pour l'avenir de l'aquarium, mon avenir. De quoi il parle, Docteur Yost? Elle ne vous a rien dit. Rien dit quoi? Nous partons pêcher le requin que tout le monde veut attraper. C'est sérieux. Quoi? C'est parti, il l'a chauffé. Ferme-la, Ram. Non mais Santec, c'est vraiment sérieux?
Non mais... On est censé prendre un requin, sans déconner. Docteur Yost. Je suis désolée, j'ai les mains liées, j'allais vous le dire, mais... Mais on va jamais y arriver. Techniquement, quand on ne pose pas de questions, la réponse ne déçoit jamais. Et personne ne veut être déçu ici. Personne ne voudrait perdre son job, l'opportunité d'un avenir meilleur. Vous auriez pu nous le dire avant de l'annoncer directement à la presse. Et ça aurait changé quoi, sérieusement? C'est de la politesse. Docteur Yost, ce qui m'intéresse, c'est ce requin. Le reste, je m'en cogne. Mon aquarium a besoin d'un requin. Et d'un très gros. Les temps sont difficiles, on est bientôt en déficit. Et le seul moyen de se remettre à flot, c'est avec un spécimen unique. Sinon, c'est la clé sous la porte. Que veulent les enfants? Quelque chose d'original. Des monstres! Je veux dire, n'importe qui avec un masque et un tuba peut voir 80% des espèces qui peuplent notre aquarium. Mais un requin... ça fait du fric. En plus de ça, c'est pour la science. On pourra l'étudier, pour que l'océan ne soit plus un danger. Si on ne le fait pas, il y aura toute une foule de braconniers qui chasseront tous les requins des Caraïbes. En résumé, soit vous y allez, soit adios. Et si vous partez, c'est tout de suite et maintenant. Excellent. On y va. D'appât. Voilà, tout est prêt. Caméra, batterie, appât. Tout est installé. Je vérifie les images. Lindsay, tu l'as sur ta tablette? Ouais. Je ne sais même pas si tout ça est légal. Moi non plus. Quelque chose? Non, rien. Même pas un crabe. Et toi, Lindsay? Non. Mais c'est peut-être bon signe. Les autres espèces fuient quand il y a un requin dans les parages. Et le coin est complètement vide. Elle a raison, je vois rien. Aucun poisson, aucun crustacé. Même pas un escargot. C'est pas étonnant. Avec tout le cyanure que jettent les pêcheurs pour fournir les aquariums en poissons, les coraux sont en train de mourir. Donc on est responsable de ça aussi? Ouais. Hé, hey Sean, jette ces appâts comme si ta vie en dépendait. C'est clair? On aurait dû prendre un chiot ou un petit chat. Un truc qu'aurait vraiment affamé ce requin. Vous êtes sérieux? C'est n'importe quoi. Rigolez? Vraiment? J'ai vu quelque chose bouger. Regardez. Il y a quelque chose, je confirme. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était un aileron. La partie commence. Rame quelque chose? Non, rien. Oh, les gars! Hey, quoi? Je croyais avoir vu un truc. Il a dû partir. Qui d'autre? Qui l'a aperçu? Moi, j'ai rien vu sur la vidéo. C'est pas vrai. On lance les filets? Oh mon Dieu! Je l'ai! Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il a mangé la caméra! T'es sûr? C'était lui! Il doit être sous le bateau.
Jette les filets. Bateau aquarium, on rentre au port. On a eu un accident. On a perdu quelqu'un. Vous ne pouvez pas l'aider. Je sais, mais pourquoi? Pourquoi lui? L'océan est un endroit magnifique. C'est aussi un endroit sauvage. Et on le savait. Sean le savait. Il aimait l'océan. C'est tout. Désolée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Nous sommes vraiment désolés pour votre ami. Oui. Nous devons clarifier certaines choses. C'est la routine. C'était pas un requin. Mais... on m'aurait dit... C'était comme une étoile de mer, un peu. Et il avait quatre têtes. Je sais pas, tout est allé trop vite. Plusieurs têtes? Comme une étoile de mer. Est-ce que vous croyez qu'ils vont parler... Vous vous moquez de moi? Un de nos équipiers est mort, et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Je posais juste une question. Je sais que ça a l'air ridicule. On a vu ce qu'on a vu. Il a tué Sean. Ça ressemblait à cette chose. Ouais. Je crois qu'il serait vraiment temps de revoir une bonne fois pour toutes vos priorités. Mes priorités sont exactement ce qu'elles doivent être. Je sais, c'est triste d'avoir perdu l'un des nôtres, mais le show doit continuer. Merci. Je veux que vous repreniez le bateau. Quoi? Je refuse d'y retourner et d'envoyer mon équipe tant que cette chose sera dans l'océan. Ce que vous appelez cette chose pourra payer nos factures. Hors de question que j'y retourne. Oh, que si, docteur, avec le sourire en prime. C'est votre seule chance d'étudier une anomalie exceptionnelle de la nature. Allez, docteur. Allô? Et rapportez-moi du poisson.
Donc, la première attaque est là. Et ici, le stagiaire de l'aquarium a été dévoré. Oui. Ça fait 2 attaques en 2 jours. Mm. Nous devrions tout faire fermer immédiatement. Non, 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 c'est impossible. Et si on prévenait les gens? On peut même demander au directeur de lancer des recherches. Ouais, ouais. Alors, qu'en dites-vous? Y a pas moyen. Moi, il n'est pas question que je retourne là-bas. Vous rigolez? Sean est mort. Réfléchissez. On parle d'une découverte qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Et ça se passe dans notre baignoire. Vous ne voulez pas faire partie de l'histoire? Et ce, avant qu'il ne soit tué par quelqu'un d'autre. Vous croyez que Sean voudrait que vous baissiez tous les bras? Non, je pense que non. Et si on fait cette découverte, on pourra la dédier à Sean, lui donner son nom aussi, en hommage à sa passion et à son sacrifice. Que dites-vous de ça, docteur? Ne leur racontez pas de salade, ils sont adultes. Il veut attraper cette chose. Oui. Parce que c'est un requin d'une toute nouvelle espèce. Et vous savez, on va tous y gagner quelque chose. Impossible qu'un requin comme celui-ci puisse survivre. Et comment pouvez-vous le savoir? Avez-vous étudié une telle anomalie? Non. Pourquoi alors dire que c'est impossible? Ce que nous avons vu là-bas n'était peut-être pas une simple anomalie isolée. Il y en a peut-être d'autres. Des centaines, peut-être beaucoup plus. Une toute nouvelle espèce. Et nous sommes les pionniers de cette découverte. Et nous serons les seuls à étudier cette espèce. Demandez-vous ce que Sean aurait décidé. Vous voulez juste vendre des places pour votre aquarium? On ne peut pas faire ça. N'est-ce pas, Dr. Yost? L'attraper pour de l'argent, ça non. Mais si on le fait pour la recherche... Si. Quoi que ce soit qui ait tué Sean, on doit l'étudier. Considérez ça comme une vengeance pour votre ami. En sortant cette créature de son élément, vous pourrez étudier un spécimen unique. C'est la chance de toute une vie. Très bien. Très bien. Admettons qu'on le fasse. Est-ce que vous avez pensé à comment on va le tuer ? J'espère que vous savez ce que vous faites, Dr. Yost. Oui, si quelqu'un peut attraper une chose pareille, c'est Red. Hé, hey, Red! Red! Yo! Yo, 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 Dr. Yost, dans mes bras. C'est bon, repose-moi, 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 merci. Alors, vous vous connaissez? Ouais, disons que on a fait de la recherche ensemble. Ça va. Je crois que c'est clair. Est-ce qu'on pourrait parler de ton idée pour le requin? On va y aller au sonar. S'il est aussi gros que vous le pensez, on le verra facilement. Les requins se contentent de bouffer et baiser, alors on les trouve assez vite, ces petits monstres. Ils sont classés parmi les sélachimorphes.
Septis et Lachimorphe. Désolé. Vous êtes un chasseur de requins ? On peut dire ça, entre autres. Je fais de la plongée, de la pêche. Du moment que ça mouille, je suis content. Et donc, vous allez monter à bord comme ça ? Oui, pourquoi ? Ça pose un problème ? Non, vous allez juste vous tâcher le costard. C'est vous qui voyez, moi ça m'est égal. Bon alors, on va tuer ce requin ou quoi ? Quoi ? C'est pas n'importe quel requin. Il aurait déjà tué 7 personnes en 2 jours. L'un d'entre eux était notre ami. Oh, merde. Et désolé, les gars. Oui, il était avec nous. Et cette chose a plusieurs têtes. 4, pour être précis. Ah, j'ai failli marcher. 4 têtes. Sérieusement ? Ouais. Bon, bah, alors j'imagine qu'il me faut 4 hameçons. Mais on veut l'attraper vivant. L'attraper vivant ? Essayez de l'avoir vivant. Tuer un requin, c'est une chose, le ramener sur Terre, c'est pas la même. On voudrait que cette petite histoire reste entre nous, vous voyez ? L'aquarium souhaite avoir la primeur de la découverte au cas où ce soit une nouvelle espèce. Ouais, c'est très clair. Et je suis prêt à payer le double de la prime proposée pour sa capture. Le double ? Le double ? Tu me l'avais pas dit. Ça marche ? Ravi que nous ayons trouvé un accord. Bon, c'est quoi le plan ? C'est facile. On pose les pièges, on l'appâte, on l'endort avec une seringue hypodermique et on le ramène à la maison. C'est facile ? C'est ça, votre plan ? Ouais, c'est mon plan, petit. Ça s'appelle aller à la pêche. Si ça part en vrille et qu'on perd le contrôle, on passe au plan B. Un plan B. Voilà. Allez, je suis désolé, je sais que tu détestes ces trucs. Vivant. Ouais, je ferai de mon mieux. Par les animaux, et même par les plantes. Ouais, c'est le réchauffement climatique. Les hommes continuent à jeter n'importe quoi. Bon, assez discuté les gars, au boulot. Notez tout ce qui vous paraît étrange. Bien sûr, par rapport à l'année dernière, elle s'est affaissée de quelques millimètres. Ouais, bah c'est pas franchement ce qu'on espérait. C'est sûr. Bon, je vais faire le tour de la barrière pour voir un peu derrière. Sois prudent. Ouais, fais attention, il paraît qu'un requin traîne dans le coin. Ça ira, c'est bon. C'est ton épitaphe ? Eh, ça fait combien de temps qu'on plonge ensemble, les mecs ? Bien trop longtemps. Exactement, j'ai nagé avec des requins dans le monde entier. D'accord, mais sois quand même prudent. Comme toujours. Salut. Oh, ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Vu les événements, ça peut aller. Ouais, je le buterai tout de suite, ce requin, si la décision ne tenait qu'à moi. Sérieusement ? Je suis désolé, je sais ce que tu ressens. Ah ouais ? Vas-y, dis-moi. Ce que tu ressens ? Ben, t'es vegan, écolo, sauver les ours blancs, les requins. Pardon que ça te défrise que j'aime les animaux, mais je suis biologiste marine. Ouais, tu les adores, tu les captures, tu les mets dans un aquarium pour une bande de touristes. Je sais, je sais. Ne joue pas à ça, s'il te plaît. Rien ne change jamais, à part la météo.
Comment tu vas? J'arrive plus à dormir. Je pense sans arrêt à cet accident. Je ne devrais pas être là. Je ne suis pas chasseur de requins, je suis biologiste, je suis une étudiante. Cette chose dans l'eau est dangereuse. Tu veux que je te dise un truc? Moi aussi, j'ai peur. Mais on le fait pas pour l'argent. Ou la recherche. On le fait pour Sean. Et pour être sûr que ce qui lui est arrivé n'arrive à personne, plus jamais. Ouais? D'accord. Cette partie de Porto Rico s'appelle Roosevelt Roads. C'est une vieille base militaire américaine. Mon père a servi ici en 68. C'est un de mes endroits préférés de l'île. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que dans ce parc de Fajardo, il y a des lamantins. Vous avez déjà vu un lamantin? Ce sont de magnifiques créatures attendrissantes et d'adorables animaux. Mais il n'en reste plus que 700 ici à Porto Rico. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les protéger. Protéger leur habitat naturel, leur mode de vie. Donc, sortez vos appareils. On devrait en voir quelques-uns, ici, dans le port. Regardez, regardez par là. Sortez vos caméras, regardez. Vite, vite, vos appareils photo. Une baleine à bosse. Elle n'approche jamais aussi près de l'île d'habitude. Regardez. Allez-y, prenez des photos. C'est un moment unique. On ne voit jamais de baleine si près du rivage à Porto Rico. Ne ratez pas la photo. Oh, c'est magique. Sur une baleine. Il y a une baleine à bosse attaquée par un prédateur énorme. Il vient vers nous. Démarre, démarre. C'est pas vrai. Allô, Bodega? Ici le capitaine Sterling, police de Fajardo. Le requin avance droit sur nous. On arrive tout de suite. On se rejoint sur le dock. Allez, allez! On va entrer dans le port. Le requin a l'air de nous suivre. Mayday! Il y a un bateau dans le coin, Mayday! On est poursuivi par un requin! Bien reçu, terminé. Le requin a trouvé une nouvelle proie. Allons voir ça de plus près. Ça va le tuer? Je pourrais pas jurer que non. Mais au moins, on pourra le suivre à la trace. J'ai dit de ne pas le tuer! Hé! Je suis le capitaine de ce bateau, personne ne me dit rien. Puis rendez-vous utile et tirez-vous de ma vue!
veux plus perdre personne. Non, on ne rentre pas au port. Il y a un bateau et des personnes en danger. On doit tuer ce requin. Allez, descendez. Allez, voilà, descendez. On y va, messieurs dames. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un immense prédateur. C'est un requin. Mais il a plusieurs têtes. Il a mangé une baleine à lui tout seul. Où il est? Est-ce que quelqu'un l'aperçoit? Et où est-ce qu'il est? J'en sais rien. C'est par là qu'il arrive. Oh, ça alors. Wow. Où il est? Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Mais où est-ce qu'il est, enfin? Attendez. On se calme, tout le monde se détend. Qu'est-ce qu'ils attendent? J'ai l'impression qu'ils essaient de l'attraper. Quelqu'un le voit? Non. Dépêchez, sortez de l'eau! Allez, sortez de l'eau! Attendez. Il a avalé le récepteur du sonar avec. Faut qu'on aille les aider. Ouais, on y va. Quelqu'un est mort et je dois le payer. Je veux juste savoir si l'assurance couvre ça. On est déjà presque en faillite, mais je veux pas aller en prison pour ça. Écoute, fais ton travail, trouve des réponses. J'ai tellement honte pour vous. Écoutez, je crois que vous l'avez tué. Je veux dire, quelle bestiole pourrait bien survivre à une flèche de harpon dans le cœur? Donc je suis pas obligé de fermer les plages publiques, on est bien d'accord? Tant que j'aurais pas vu son corps, j'y croirais pas.
Un requin normal a besoin de 11 tonnes de nourriture par an. Et ce truc-là fait au moins 3 fois un requin normal. Alors, si jamais il est encore vivant, il devrait tuer encore et très vite. Écoutez-moi. La moitié des habitants travaillent dans l'eau. Et l'autre moitié est en vacances. Alors ça suffit. Ça suffit? Quoi, c'est fini? Bon, je suis désolé pour tes amis. Rentre te reposer. Il a raison. Prenons tous des vacances. Une petite semaine. Vous êtes un monstre. On n'aurait jamais dû y retourner. Ah oui. Maintenant, c'est de ma faute. Ouais, bien sûr. C'est la faute de qui, sinon? Deux de nos amis sont morts. Sean le premier. Et on a été assez stupides pour y retourner. Et on a perdu Lindsay. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Elle s'est penchée. Elle n'a pas été prudente. Vous nous avez forcés. Oh, arrêtez ça. J'étais pas le seul à vouloir ce requin. À vouloir être reconnu par la communauté scientifique pour la découverte d'une nouvelle espèce. Vous l'avez fait pour l'argent. Putain, mais c'est vous le tueur de Sean et de Lindsay. Non. Du calme. Tout le monde se calme. Écoutez, je sais que vos amis sont morts, et j'en suis désolé. Mais on ne peut plus rien y faire, et se battre n'arrange jamais les affaires de personne, vu? Ça va aller, gamin? Le requin qui a foutu la mouise dans la compétition de surf a été tué. Et comme vous le voyez, la vie a repris son cours ici à Playa Aviones. Mais la compétition va bientôt commencer. On célèbre les 10 ans du surf classique. Et juste là, un invité est venu me rejoindre. C'est le musicien le plus chaud de toute l'île et un super mec, PJ Sirtuilas. Comment ça va aujourd'hui, PJ? Absolument parfait, c'est une pure journée. Pure vague, pur surfeur, ramène ta wax. Génial, c'est pas tout, PJ jouera ce soir à la playa. Attendez, je vous entends pas. Attendez un peu, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans l'eau. Il y a eu une nouvelle attaque. Quoi? À Playa Aviones pendant la compétition. C'est pas possible. Je vous ai dit que j'y croyais pas. Sérieux, j'ai jamais vu un truc comme ça. Ce requin, il avait facilement 5 têtes. Peut-être même 6, je sais pas trop. Il a attaqué les surfeurs, il y avait du sang partout. C'était abominable. Je cherche encore mon pote. Il y était. C'est une catastrophe. Laissez-la respirer un petit peu. Comment ça se présente? 16 blessés en tout. 5 décès. Quoi? Il faut absolument qu'on arrête ce massacre. Dans ces moments-là, je me prends à rêver que les requins ont des prédateurs. J'ai une idée. On est attaqué par une espèce unique et surprenante de requins, et nous, on observe des dauphins. Regardez, je crois que j'ai trouvé la parade. Ils font ça. Chut,
On observe ses comportements quand les dauphins rencontrent des requins blancs. Ils le harcèlent jusqu'à ce qu'ils s'enfuient. Dommage que nous n'ayons pas de dauphins domestiques. Oui, mais on a presque aussi bien. C'est-à-dire ? Des haut-parleurs. Sérieusement, vous comptez utiliser des sons de dauphins pour faire peur aux requins ? Soyez pas cynique, elle a raison. Les requins détestent les dauphins. Ils sont mignons, mais je vous conseille de pas les énerver. Donc on tire une ligne de haut-parleur pour l'isoler. Je vais vous montrer où c'est possible. On va utiliser la bathymétrie le long de la côte ici. On tire la ligne de haut-parleur, on met l'appât qu'on aura bourré d'explosifs et on explose ce truc en miettes. On doit l'éliminer complètement. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'explosifs. Des M80, vous en avez ? Ouais, j'ai de la dynamite. Et moi, j'ai 20 000 dollars si vous le ramenez vivant. Combien de dynamite vous avez ? Bon, assez pour rayer l'île de la carte à peu près. Ouais ? On devrait bien se marrer. Donc, on isole le requin et... Badaboum, c'est ça ? T'as pigé. T'es un bon. Vous êtes prêts à tuer du requin ? Pour Sean et Lindsay. Pour Sean et Lindsay. Pour Sean et Lindsay. Ça roule, on y va. Pour Sean et Lindsay. La crique est juste là, ici. D'accord ? Donc, dès qu'on trouve le requin, il faudra le contourner. J'utiliserai le son pour l'amener jusqu'au bateau piégé. Et je mettrai l'appât et l'explosif de ce côté-là, à l'ouest. Et le piège est refermé. Les haut-parleurs sont prêts ? Ouais, j'en ai trois paires sur des bouées qui sont prêtes pour la mise à l'eau. Très bien. Mon équipe est prête. Allons-y. Allez, c'est parti. Mon équipe est prête aussi. Oh, j'ai hâte de t'exploser, ma grosse sardine. Allez, en route, on part à la pêche. Toujours rien ? Non, rien. Non, le sonar devrait biper dans quelques milles. On est loin de la crique ? À mon avis, une quinzaine de minutes. Très bien, je vais préparer les haut-parleurs. D'accord, fais du bon boulot. Hé, écoute mon pote. On sait tous que tu voulais ce truc vivant, mais... quoi que tu veuilles faire avec ce requin... ça en vaut pas la peine. C'est vrai. Il a déjà fait trop de victimes. On fait ce qu'il faut. Ce qu'il aurait fallu, c'est ne pas envoyer vos employés à sa poursuite. C'est bon. J'ai compris, mais je ne peux plus rien y changer. Navré. C'est vrai. Je suis désolé. J'espère bien. Allez, on se détend. Allons buter du requin. Hé, est-ce que tu t'en sors ? Je m'en sortirai. Je suis désolé pour ton amie. Merci. Elle paraissait sympa. C'était mon amie. La meilleure. Je suis désolé. Un requin, vous êtes déjà pris quelqu'un ? Ouf, ouais. Une pêche au harpon. En 1997, El Niño, une queue jaune approche. On s'est planqué dans un lit de varech. Mon pote a vu ce requin citron et... il s'est emmêlé les guiboles. Le temps que j'aille l'aider, il était mort. Il s'est vidé de son sang par la morsure. Pas beau à voir. Donc oui, j'ai aussi perdu quelqu'un. Je suis vraiment désolée. C'est terrible. Tu sais...
L'océan nous enseigne un tas de choses sur la vie et sur nous-mêmes, entre autres. J'étais pas prête pour tout ça. Moi non plus. Un requin à quatre têtes, jamais entendu parler. Ouais. C'est clair. On va se le faire. S'il est là, on le butera. Espérons. Je t'en fais la promesse. Est-ce qu'on a des signes du requin ? Non, pas encore. Bon. Je balance. Déjà un dans l'eau. Encore 9. Ils sont waterproof, vos haut-parleurs, au moins. Oui, ils sont waterproof, mais... juste au cas où, je les mets dans des sacs étanches. Le capitaine Sterling en a sur son bateau, aussi? Oui, il a des haut-parleurs intégrés au bateau. Je suis désolé, vous savez, pour de vrai. Je sais que tout est ma faute. Ouais, ben, on est dans la même équipe, alors faisons en sorte que... tout aille pour le mieux. C'est ce que je fais. Je sais que j'ai été une véritable ordure. Mais je l'ai fait pour l'aquarium. Ah. Je répète. Je demande confirmation de la fermeture de toutes les zones côtières. Est-ce que les plages publiques ont été fermées et les gens évacués? Veuillez confirmer. Oui, bien reçu, on confirme. Toujours rien ? Y a rien du tout. Ici Sterling. Répondez, Dehoff. Ici Dehoff. Des signes du requin ? On y est presque. On n'a plus qu'une bouée et tout sera en place. Ok, bien reçu. Prévenez-moi dès que ça bouge. Reçu, terminé. Regarde, on arrive devant la crique, on y est presque. Allez, si ça doit marcher, c'est maintenant ou jamais. Alors fais brailler tes dauphins, ma grande. À tout de suite. Bon, ça devrait le faire. C'est pas le son le plus doux de la Terre. Normal, ça fait fuir les requins. Ok, ce son devrait attirer le requin dans la crique et exactement là où on veut qu'il aille. Bien, ça y est. On est prête pour déclencher le piège. Le voilà. On dirait qu'il est qu'à 2000 de là. Le son des dauphins l'éloigne de la côte. C'est pas du tout la bonne direction. Essayons de le contourner et on lui coupera la route. D'accord. Ouais, ça me paraît bien. C'est lui. Super. Ouais. Showtime, gamin. Envoie les appâts dans l'eau. Tout de suite. La chasse commence. Jette les appâts. Kate, tu
veux m'aider? Allez, ça te focalisera sur autre chose. Je suis désolée, Ram. C'était ma meilleure. C'est bien, mais on peut pas rester sans rien faire. Si on veut surmonter ça, on n'a pas le choix. Tu peux me croire. Bon, très bien. Surmontons ça. Super. Allez, on déroule. Le voilà. Ouais. Il s'approche. Où il est? Je sais pas. Il est là. Allez, on envoie les appâts. Il en reste. Qu'est-ce que c'est? C'est de la graisse de mammifère. Ça attire les requins, comme moi j'attire les femmes. C'est pas vrai, poupée? Allez, donne, approche-le. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des charges profondes. Oh, fais gaffe! Oh, explosif! T'inquiète, ça explose pas à moins de 6 mètres de profondeur. Ça va vraiment fonctionner? Si ça va fonctionner, on n'a pas d'autre alternative, à part l'appât vivant. Tu veux nager? Non, ça va fonctionner. Et je me disais bien. Allez tout le monde, c'est parti. On salit les mains. Regarde-moi ça. Allez, on attrape le câble, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a digéré le tracker du sonar. Il était là, sur l'écran. Peut-être qu'on devrait envoyer le son des dauphins. Non. Il doit être à l'est de nous pour qu'on l'amène vers les terres. Allez. Je le vois pas. Vous avez un signal? Négatif, il est pas là. Pas rassuré. Montre-toi. Allez, fais-nous un signe. Une petite seconde. Ça y est, vous le voyez? Non. Je vois rien, il est pas là. Ça y est, je capte quelque chose. Quoi? Il est sous le bateau. Thank you.
Mayday, j'ai le requin en visuel. Il vient droit sur moi. Mayday, j'ai le requin en visuel. Sterling, où êtes-vous? Il fonce droit sur moi. Mayday! Mayday, bordel! Je vous en prie! J'ai perdu mon moteur! Red, vous m'entendez? Calmez-vous! Calmez-vous et arrangez-vous pour amener le requin vers moi, d'accord? Il est là, il me tourne autour! Attendez qu'il soit à l'est! Quand il sera à l'est... Mettez le son à fond! Ok, Red, donnez-moi un instant! Ça fonctionne. Il va à l'est maintenant. Tuez-le, Red. Entendu. Terminé. Ça y est, il arrive. Il vient par là. Ça fonctionne. Hey, tout le monde sur le pont! Il vient dans notre direction! Le requin fonce droit dans la crique! Et j'ai l'impression qu'il suit les appâts! Allez, jette le dernier saut! Hey! Envoie la purée, garçon! On n'a plus le temps! Oui, capitaine. Bon, dites-moi quand vous le voyez. Tout est prêt. Attends, Red. Hein? Le requin, il s'est arrêté. Comment ça, il s'est arrêté? Dis-moi où il est. Enfin, ça n'a aucun sens. Il devrait suivre les appâts. Kate, descends sur le pont pour les aider. Lancez tous les appâts et dès que vous le voyez, tu me préviens, d'accord? Préviens-moi dès que tu vois quelque chose, ok? Ouais.
passe rien. Et comment ça, il se passe rien? À la pêche, faut être patient. C'est pas de la Formule 1. Quelque chose sur le moniteur? Non, rien. Qu'est-ce que cette ligne fait ici? Le voilà, le problème. Elle n'est pas au bon endroit. C'est très calme. Ouais. Vous êtes sûr que cette technique d'appât fonctionne? Patience. C'est le calme avant la tempête. C'est bien ce qui me fait flipper. Ça va durer encore longtemps. Je me sens pas très bien. J'en sais rien, mais laissez-moi faire mon boulot. On se détend un peu. J'essaye d'attraper un requin. Pourquoi on vous appelle Red? Ouais, ça vient d'où, Red? Vous voulez savoir pourquoi? La pêche au harpon. À Channel Island. Je pêchais du maquereau. J'en attrape un, je le tire vers moi, et tout d'un coup, boum, je me fais taper par un requin marteau. J'ai sorti ma lame, j'ai commencé à le poignarder autant que je pouvais. Je suis retourné comme j'ai pu sur le bateau. Et je vois que ça pisse le sang, ça sortait de mon crâne, comme ça. Ouais. Et mes collègues se sont contentés de me dire... Comment ça va, Red? Mais... je suis vivant. Et pas lui. Quoi? Vous ne croyez pas? Si, super. Hé, mon pote, ça va? Tu nous lâches des appâts? Sympa. Je vais lancer ma ligne ailleurs. Je crois que je l'aperçois. Tu l'as repéré? Ouais, il est là, c'est sûr. Il avance super vite. À quelle vitesse? Super vite. Et je crois qu'il nous encercle. Il nous encercle? Attends. Il arrive par ici. On y va, c'est le moment. Go, go, go. Le requin, il est juste ici, là, un aileron. Ah, ça y est, c'est le nôtre. Attention, laissez passer, attention. C'est notre requin. On sait pas, on a vu qu'un aileron. Attendez une seconde. Il est passé où, là? Il est là, il vient de le prendre. Ça va être chaud, on se prépare tous, allez! On y va dans... 3... 2... 1... Oh, 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 oh. Truc de ouf, wow. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort?
On l'a tué. Ouais. On l'a fait. On l'a fait. Joli travail. Les gars, vous avez vu ça? Oh oui, j'ai vu ça. C'est un aileron. Il est pas mort. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Go! Qu'est-ce que tu crois que je fais? Une seconde. Pourquoi on n'avance pas? Je crois qu'on a un problème. Il a détruit l'hélice. Tu veux dire qu'on est coincé? Sterling. Ici Dea. On a besoin d'assistance immédiate. On a un problème. Allô, ici Sterling. Répondez. Le requin a cassé notre hélice. On est bloqué, on a besoin d'aide. C'est pas vrai, il est loin d'être bête. Il m'a fait le même coup, j'ai aussi besoin d'aide. Et je vous tiens au courant. Reçu, terminé. Il faut qu'on se tire de là. Je vous ai pas payé pour qu'on finisse dans son ventre. Où il est? Est-ce que quelqu'un le voit? Ram, jette ce qu'il reste d'appât. Je crois qu'il est en dessous de nous. À la crique, maintenant! Dayoff est coincé, ils ont besoin d'aide! Envoyez les secours sur le champ! Vous me recevez? Bien reçu, on envoie l'hélicoptère immédiatement. Sterling, pour Dayoff! Sterling, ici Dayoff, à vous! Red! Je vous envoie un hélicoptère! Il sera bientôt là! Et vous allez devoir serrer les dents avant qu'il arrive! Reçu, terminé! Ils envoient un hélicoptère! Faut qu'on tienne le coup jusque-là! Allez! Vous savez vous servir d'une arme? Non. Je vois. Alors, vous armez, vous visez,
tirer. Tiens, ma grande. Pour toi, gamin. Rachel. Ils sont des dauphins, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a plus de haut-parleur. Bon, ben on va la jouer à l'ancienne alors. On part pour l'extraction, on va essayer de localiser des hommes. C'est parti! Le sonar ne reçoit les signaux qu'à environ 30 pieds. Ça y est, il revient! Il revient, les gars! Bon, je compte jusqu'à 3 et quand je dis feu, on fait feu, ok? 1, il arrive. 2, 3 et feu! Sur le sonar! Il est plus là! On l'a peut-être tué. Je l'ai touché plusieurs fois, peut-être qu'il est mort maintenant. C'est pas avec nos balles qu'on va pouvoir se débarrasser de ce requin-là. J'ai un visuel sur le déop. Je commence l'approche. Vous entendez ça? Là-haut! Oh mon Dieu! Oh! On est là! Hey par ici! Oh! Hé, hey, on est là! Par ici! Par ici! Rien sur le moniteur. On l'a peut-être enfin tué. J'en doute, gamin. J'en doute vraiment. Sterling, ici Dehoff. Sterling, ici Dehoff. À vous. Ici Sterling. Est-ce que l'hélico est arrivé? Oui, on est sains et saufs. Le requin est mort. Et l'hélicoptère est là? Il s'est écrasé dans l'eau. Je suis désolé. Terminé. J'aurais dû écouter mon instinct. Qu'est-ce qu'il nous reste pour le tuer? Je sais pas, un peu d'explosif M80. C'est ça. Ah, c'est parti! Je te l'avais dit, jette ça dans l'eau. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais tuer ce sale poisson. Quand je vous le dirai, jetez les appâts, on y va! Super. Thank you.
Balance tout, Ram. Il s'éloigne, il a une quinzaine de mètres de nous. Je ne vois pas Red, par contre. Je vous ai manqué. Petit enfoiré de pêcheur. Bon boulot. Tu veux te marier? J'avais abandonné l'idée. Ha 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 ha.